Bonjour Jumper, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement en mission depuis la navette spatiale de Roblox. Et bonjour à tous les amis Silver Jumper, j'espère que vous allez bien écouter. Moi ça me tenait quelques latitudes. Aujourd'hui les amis, on est là pour... On est là pour tester une story que je voulais tester depuis un long moment qui vient sur de mes... Attention, The Space Story. Oh, elle a mis son masque et tout, tellement stylé. Du coup donc, vous l'avez compris, aujourd'hui les amis, on va embarquer en direction du camion. D'accord, bon bah écoutez, c'est quoi, on va aller directement vers la navette spatiale. Alors je voulais absolument tester cette story, ça fait un moment qu'elle existe, et je sais que ça fait un moment que vous me la demandez, du coup, attention, téléportation. Oh, j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va aller. Ah, très bien. Oh, qu'est-ce que... Ils sont en train de nous décharger? Oh, c'est trop stylé! Ok, à tout le monde, votre mission est de livrer les fournitures dans l'espace. Attends, des fournitures à la station spatiale! Bah, qui est dans l'espace, hein, bien sûr. On peut choisir sa tenue et tout! C'est tellement cool! Bonne chance à vous! Merci! Oh, la tenue d'astronaute! En fait, on est des livreurs de pizza de l'espace, quoi. C'est vraiment ça, tu vois. Oh! Quelque part... Dans la galaxie se trouve une navette, livreur de bouffe en direction de la station spatiale. Voilà, ça, ils sont en train de faire le plat ou ça se passe comment là? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'est-ce qu'on attend? Houston, on a un problème, je crois. Ah, Space Story, tellement stylé! Voilà, oh, ça fait trop bien. C'est beau. Ok. Location. Le Strobono Station. Oh. Votre mission est de livrer les fournitures. Attends, ça s'est traduit, ça s'est remis en anglais. Livrer les fournitures au Strobono. Oh. Mais c'est énorme ce vaisseau. Enfin, cette station. Voilà. Oh. Waouh. Ok. Mes amis. Accrochez-vous. Oh. Waouh. C'est moi qui ai les commandes. Wow. Mais attendez, mais c'est tellement bien fait. Ok. Ça y est, on a décollé. Accrochez-vous, mais oui. Ah, nous devons être en orbite. Effectivement, Lorenzo, tu as raison. Oh, c'est incroyable. Ok, objectif. Restez à votre place. Bon, bah ça va, ça va être simple. Nous devrions rester dans nos sièges. On va faire un tour pour arriver à la gare. Ok, en plus on a été abonnés, c'est trop bon. C'est trop cool. C'est ça que c'est bon, hein. Très bien. Alors. Je vais récupérer mon siège. Ouah, c'est bon. Ok. Très bien. Ah, mais je suis vraiment dehors en plus, hein. Oula! Waouh! Qu'est-ce qui vient de se passer? Attends, pourquoi on a fait un tonneau là? Oula! Oh, c'est pas bon. Lara. Oh! Bienvenue au Strobono. Je suis Lara, l'intelligence artificielle du Strobono et l'ordinateur de station. Oh, une intelligence artificielle comme Jarvis? S'il vous plaît, quittez la navette et entrez dans la chambre de décompression. Très bien, on y va! On est arrivé sur place, les amis. Oh, la musique! Oh là là! Le sas de décompression, vite! Fermez la porte! Ah, j'essaie avec ma tête! Allez! Fermez cette porte! Très bien. Qu'est-ce que... Oh! Ah! Ok, décompressé en quoi? Très bien. Attention. Ça se passe bien. Vous tenez le coup, les amis? Bon, très bien. Ok, complete. Mais bon, on est décompressé. Je me sens détendu. Très bien. Hein? On va enlever notre tenue? Comment ils ont fait pour enlever le casque? C'est trop stylé! Oh. Écoute, moi je vais le garder pour l'instant. Très bien. Attends, mais qu'est-ce que c'était? Oui, d'ailleurs, qu'est-ce que c'était que ce bruit là? Pourquoi ça a tremblé? Très bien. Alors. Il semble que votre vaisseau s'est rompu du Strobono. Quoi? On a perdu la navette? On pourra pas repartir. Comme par hasard. Ah non! Mais comment on va sortir? Comment on va revenir à la Terre, nous? Ah bah. Y'a peut-être une autre navette sur la station? Non? Ok. Bon. Pas de panique. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Lara?
montez jusqu'au pont et vous serez en mesure de ramener la navette à la station à l'aide de mon système de pilotage à distance. Oh ! Très bien ! C'est parti ! Attends, mais on a carrément un paquet tout ! Oh là 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 ! Ok, vite ! Vite ! Allez, on grimpe. On monte. C'est bon ! Yes ! Très bien. Ok. Qu'est-ce qu'on a dans le shop ? Il y a des tenues et tout, mais c'est incroyable ! Ok. Oh ! Stromono. Ah ! Oula ! Furieux de jump urgence ! Waouh, cet endroit, c'est vraiment grand ! Regarde tout ça ! Ah, c'est immense ! Attends, on peut voir, on peut... Ah ! Oula ! Oula ! Lara, elle a pété un câble ! Ok, très bien, t'inquiète pas là, on va s'occuper. Sur cet écran, on apparaîtra une couleur. Ok, orange. Très bien, il faut aller sur les plaques. Ok. Résolvez. Le puzzle en utilisant pas la couleur. Très bien, on va s'en charger là. Bon, allez, c'est parti. On va aller sur orange. Attends, là. Ok, j'attends. Attends, ah mais d'accord, faut changer les couleurs. Oh. J'aurais pu attendre longtemps, tu sais. Ok, voilà, c'est bon. Encore. Yes. Ok, c'est bon là. Ah, le système. La panne du système doit maintenant être résolue. Très bien là. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Attends, mais du coup on peut rien livrer. Lara, quand peut-on rencontrer les membres de l'équipage? Ouais, d'ailleurs, ils sont où là? Tu vas pas me dire que t'es toute seule à la station? C'est possible. Allez, autonome. Je n'ai pas comprendre. Ah, c'est bon. Je ne comprends pas votre question. Le stromono n'a pas de membre d'équipage. Ah. Ah. Quoi? Bah, ça, ça... Mais attends, mais quoi, Lara, c'est impossible. On est censé rencontrer l'équipe de la station. Mais oui. Où sont-ils? Qu'est-ce que tu caches là? Oula. Erreur. Non mais attends, quoi? Ma banque de mémoire ne répertirie aucun membre d'équipage. Le Stromono n'a pas d'équipage. Comment ça? Elle est bizarre. Vous pensez qu'elle les a tués? Maintenant que le problème est résolu, je suis en mesure d'ouvrir la porte. Suivez la salle pour atteindre le pont. Ok. Wouah. Oh, c'est beau. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Alors, à part... Donc ça, c'est la mémoire de Lara. Il y a un petit problème, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Attends, mais Lara, elle a pas été entretenue depuis combien de temps, là? Oh, le délire! Ça sent le parcours, mais oui! Erreur! Impossible de se connecter à la banque de mémoire. T'inquiète pas, Lara! On va s'en occuper! Alors, le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Et regardez le panneau sur le mur! C'est la mémoire de Lara! Et elle est détruite! Oh, elle a peut-être pété un câble! C'est le cas de le dire! Ça explique pourquoi Lara ne se souvient pas de l'équipage ou de ce qui s'est passé ici. Très bien. Bon, il va falloir trouver le moyen de réparer Lara. Oula. Nous serons mieux en mesure de comprendre ce qu'il faut faire. Nous serons mieux en mesure de comprendre ce qu'il de trouver ce qu'il faut faire quand nous arriverons pas. Hein, Lara, comment on y arrive? Ouais, c'est vrai ça. Il va falloir passer au-dessus des câbles. Tu paries? Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah. Tu vas devoir descendre dans ce couloir. Il n'y a pas d'autre moyen d'atteindre le pont. Très bien. Eh bien, direction le couloir. Attention, je détecte plusieurs dangers. Ah, et des fils électriques sur le sol. Ah. Toucher l'un de ces dangers... Un de ces dangers. Toucher un de ces dangers pourrait vous blesser. Ça roule. T'inquiète pas. Qu'est-ce qui crame, là? Ok, go. Vite. On y va. Attention, les amis. Allez, on peut le faire. Oui. Et voilà, c'est le talent. Oh. On dirait Among Us. La salle. Ah. Très bien. Bridge Elevator. Oh, l'ascenseur pour aller sur le pont. Et là, qu'est-ce qu'on a là-bas? Il y a des pommes. C'est la cafette. Oh, merci Lorenzo. Qui s'est abonné, c'est cool ça. Et vous aussi, les amis, n'oubliez pas, bien entendu, d'appuyer sur le petit bouton pour s'abonner. Ok, go. Allez, on y va. Allez. Elle a fermé la porte.
Ça a l'air immense, la navette. Hein. Franchement, de l'intérieur. Hein, de l'intérieur. Oh, des panneaux solaires. Ok, attendez l'ascenseur. Ah, c'est Bertefa. Je suis sûr que nous pouvons obtenir quelque chose ici. Exactement. Allez, direction la cafette. Oh, les pommes. Oh. Alors, qu'est-ce qu'on a, menu, aujourd'hui? Alors, c'est couscous. Ok, très bien. Et on a steak frites, aussi. Ouais, on a steak frites, ok. Très bien. Eh ben, écoute, je vais prendre des pommes. Yeah. Par contre, je peux enlever mon masque? Non. Bon, bah tant pis, écoute. Oh, qu'est-ce que c'est? Très bien. Je peux prendre qu'une pomme? Alors, je vais pas la manger parce que on connaît la bouffe dans les stories. Pas un truc de planqué, là? Non. Tu bouffes, t'es meurs. Voilà. C'est le résumé. Très bien. Yac! Non! Non, James! Non! La pomme l'a empoisonné. Oh, cette nourriture vient de sortir depuis des semaines. Ces pommes sont pourries. Bah voilà! Je le savais! Ok, c'est bon. L'ascenseur. L'ascenseur du pont est arrivé. S'il vous plaît, asseyez-vous. Oh, il y a même des sièges. Ok, oula. Je me suis vu à travers. Ok. Oh, on voit un petit peu, regardez, on voit l'espace. Tellement classe. Et là, on se donne la main. Ok, accrochez-vous, les potes. Accrochez-vous. Attends, mais on a perdu deux personnes ou quoi? On était un peu plus que ça tout à l'heure. D'ailleurs, il y a deux. Il y a deux Lorenzo. Il y a deux Lorenzo, quoi. Ok, attention. Oh, oh, oh. Accrochez-vous. Waouh. C'est l'alimentation centrale ici. C'est beaucoup trop stylé. Ok. Très bien. Regardez, on peut pas se lever. On peut pas se lever. Oh, c'est stylé. Oh. A bridge blaster. Ah, très bien. Bon, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh, c'est énorme. On peut appuyer sur ce bouton rouge? Non. Et sur celui-là? Non. Et lui? Non. Ok, bon. Tant pis. Ouverture de la porte. Wouah. C'est le poste de contrôle. Il y a du sang et tout. Oh mon dieu, l'équipage. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ils sont tous morts. Oh mon dieu, mais ils ont tous été tués. Il a gardé ses lunettes, lui aussi. L'équipage, ils sont tous morts. Lara, qu'est-ce qui s'est passé? Non. Oh, c'est chaud. Je pensais que c'est Lara. Elle a déconné, elle a tué tout le monde. Erreur. Ma banque de mémoire ne se souvient pas. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui l'a fait et a saboté la mémoire de Lara pour... qu'il n'y ait aucune preuve. Nous devons revenir à la maison maintenant. Lara, où est le contrôle de la navette? Pour qu'on puisse s'échapper. C'est Lara, regardez là. On l'a vu. Oh, ceci est le système de navette à distance. Ah. Ok. Il y a même marqué Space Story dessus. Ok. Alors, il va falloir utiliser les boutons, j'imagine. Alors, lorsqu'il est allumé, il utilise un signal puissant pour prendre le contrôle de votre navette. Ah. Très très bon à savoir, ça. Bon, on pourra faire... Oh, l'alimentation. Plus de puissance. Vous pensez qu'on va pouvoir faire revenir la navette? Ah. Les commandes vous permettent de remonter la navette comme si vous étiez assis dedans. Ah ah! Excellent, voilà, c'est ça! On va la faire revenir! Une seule personne peut utiliser, peut faire fonctionner la commande. Oh, de la navette. Ok, alors est-ce que c'est une personne qui va devoir sacrifier? Eh ben, ça sera moi alors! Ok. Le système à distance est allumé vers le bas sur ce levier. Oh, ah, on tire en vers le bas, ok. Très bien. On y va! On s'en charge. Et là, poule. Poule. Alors, vous pourrez... Attends, c'est quoi? Alors, vous pourrez... Alors, ensuite, vous serez en mesure de faire voler la navette jusqu'à la gare. Entrez et retournez sur la terre. Ah oui. Ok. J'y vais. Hein? C'est moi. C'est moi. C'est bon, je suis assis. Ok, ok. Non. Très bien. Je reviens. La seringue. La seringue. C'est bon. Oh mon dieu, qu'est-ce qui vient de se passer? Oh non, je suis mort. Non, c'est bon, je suis en vie, les amis, je suis en vie. C'est rien, c'est une petite explosion, c'est rien. Le système distant est cassé. Pourquoi il y a plus de lumière? S'inquiète pas, je suis en vie. C'est rien, j'aurais des explosions comme ça. Allez, j'ai envie tous les jours après un chili con carne. Ok. Je suis Je détecte un message holographique enregistré. What? Où ça? Fais-nous voir! Le copilote Kingsley. Bonjour!
Ici le premier officier Kingsley, la station Stromono. Il a l'air un peu effrayé, non? Il a un peu peur, non? Alors... Si vous regardez... Si vous, comment ils traduisent à l'arrache au début, tu sais? Si vous regardez ce message, cela signifie que moi et l'équipage du Stromono sommes probablement morts. Ah! Ah, c'était un ancien enregistrement. Bon, bah écoute... Plus tôt aujourd'hui, nous avons connu une atteinte à la sécurité dans la B2. Dans la B2? Ils ont ramené une créature! C'est Alien! Oh, c'est ouf! Une créature extraterrestre a été amenée à bord de notre vaisseau par un équipage faisant un arrêt de carburant alors que... Alors que quoi? Oh, et voilà, et voilà! Et ça a contaminé le vaisseau! L'équipage avait découvert des œufs sur Mars et les avait ramenés dans un récipient scellé... Ah non, mais c'est Alien! Voilà, et la créature a muté! Il les a tous tués. C'est ça? Très bien. Ces œufs ont été scellés dans la baie du Nostromo et ont été incubés par notre équipe de médecins et a finalement éclos. Ah! Il y en a un qui a finalement éclos. Ah, bah il avait l'air vachement sympathique, non? Bien qu'inoffensif, au début, cette forme de vie a grandi assez rapidement et a montré des signes de changement d'humeur avec le développement. Très bien. Il a déjà les yeux rouges, tu sais, c'est moyen. Il est vite devenu beaucoup trop... Attends. Mais arrêtez de changer les... Il devint vite trop à manipuler. Il était scellé dans la Med Bay pour l'empêcher d'attaquer l'équipage. Oh! Ah! Il a un peu muté, hein. Ouais, il est... Ouais. Il est violent quand même, hein. Il n'y a pas longtemps avant que la créature ait éclaté du Med Bay. Éclaté, d'accord. Il a éclaté! Il a éclaté. Il éclataxe. Quant à nous... Nous avons décidé de nous enfermer ici sur le pont et d'enregistrer nos dernières activités dans la banque mémoire de Lara. Ah! Qui a bien sûr été détruite. Oh, c'est un truc de ouf. L'alien a tué tout le monde. Nous allons organiser notre invasion d'ici... Il arrive! Il arrive! Voilà. Et ils se sont fait avoir au moment où ils allaient s'échapper. La connexion à la banque de mémoire est perdue. Fin de transmission. Ok, merci Lara. Bon! Bah, donc, voici ce qui leur est arrivé. Ils ont apporté quelque chose à bord et ont perdu le contrôle. Ah bah, c'est un alien, tu t'attendais à quoi? Bon. Ah! Il est où? Mouvement détecté dans l'arbre de profondeur. Où ça? Sans déconner. Donc, on a bien vu que les commandes ont explosé, hein. Donc, on peut pas ramener la navette. Mais il te ferme le truc! Impossible de se connecter à la porte du souffle. Oh non! Il arrive! Il arrive! Vous devrez fermer manuellement à l'aide des pompes d'urgence. Ok! Alors! Là, cette fois-ci, je laisse quelqu'un le faire, t'sais. J'ai pas encore envie d'exploser! Une fois tous tournés, la porte sera complètement fermée. Oh! Ok, les amis, attention! On est parti! Bon, alors les leviers. Nya, nya, nya. Oh bah ça va, c'est rapide! C'est bon. Yes! C'est bon, yeah. Pfff. J'ai un sentiment que ce qui est là-bas, c'est ce qui a attaqué l'équipage. Ah oui, Lorenzo, c'est sûr. C'est sûr. Bon. À moins que ce soit un survivant, mais ça m'étonnerait. Ok, bon. Au moins, on est en sécurité ici. C'est la pièce la plus sûre de toute la gare. Ah bon, tu crois? Je sais pas, vu les grosses traces de sang, c'est qu'il a réussi à venir quand même. Bah voilà, tu as dit la même chose. Mais regardez ce qui est arrivé à l'équipage. Ils pensaient que c'était sûr aussi ici. Et ouais. Mais ça n'était pas. Avertissement. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Le système détecte... Attends, un feu? Non. Le système détecte un incendie. Le pont explosera dans 15 secondes. Trouvez un moyen de sortir. Ok, pas de panique. Panique. On va où? On va où? Tout le monde me suit. On va mourir? Ah, très bien, on est tous morts. Il n'y en a pas un qui a trouvé la porte? Ok, c'est bon. Je reviens. J'avais pas vu la porte. Tout le monde est mort, non. Oh bah, puis quoi? Vite. Personne n'avait vu la porte. Mais non. Ok, les amis, il n'y a plus que nous. On va attendre, voilà les flammes. Waouh! Oh!
Oh la vache! Ça explose! Waouh! Courez! Ça arrive! Oh! Ouvrez la porte! Oh, les œufs! Regardez! Oh la flamme! Oh la colonne de flamme! On va peut-être se... Non? Ok, c'est bon. Très bien. Waouh, on a eu tellement de chance! Tout le monde est mort! Ok, il n'y a plus que toi et moi, Lara. On devrait allumer le système d'extracteur avant que l'on se fie les fenêtres. Système d'extracteur, là! Vite! Ok, faut rentrer un code. Mais le code a été arraché accidentellement. Quoi? Il doit être dans la pièce. Il doit être dans la pièce. Vite! Vite! Ok. Trouvez toutes les pièces et appuyez sur le bouton jaune pour allumer l'extracteur avant qu'il ne soit trop tard. Oui! Arrête de me parler! Ok. Les pièces. Ok, 7! 2! Impeccable. Il y en a un autre ou pas ici? Voilà! 6! Je regarde. Attends, mais il en manque une! Il en manque une! C'est pas sérieux! Pas sérieux! Oh! Oui! Vite! Oh! Il restait 3 secondes! Il restait 3 secondes, les gens! Oh, c'était tellement bien planqué et j'étais tout seul! C'est donc ça, les fameux œufs, hein? Bon, c'est bon! Ça a éteint les flammes! Oh là là, c'était chaud! Lara, tu peux m'ouvrir? Oh, une petite douche! Là! Bon! Regarde, les œufs sur la table! C'est là que l'équipage les a amenés pour la première fois. Ouais, exact. Bon. Attends, ils vont peut-être éclore aussi, non? Tu vois pas ce que tout ça veut dire? On est chassé par un extraterrestre? Non, tu crois? Cet endroit me donne les poules. Me donne les poules. La chair de poule. Cet endroit me donne les poules. Oh là là. Les amis, j'ai la poule. Oh là là. Je sais bien que c'est de la traduction automatique, que c'est bien fait, hein, mais... Là, comment peut-on descendre de cette station? On doit sortir ici avant que ces trucs nous arrivent. Oh là là. Oh, je suis mort, j'en pleure. Hein. Ça me donne les poules. Il y a des capteurs d'évasion dans la B3. Mais pour les lancer, la séquence d'autodestruction doit être activée. Comme par hasard. Bonjour, Lara, je voudrais réchauffer ma pizza d'hier. Oui, mais vous devez activer le système d'autodestruction. Ah! Bon, bah, je la mangerai froide, écoute, c'est pas mal. Vous avez 5 minutes. D'accord, ok. Bah, t'imagines, chaque action, y'a tout qui doit péter, tu sais. Je sais pas qui est l'ingénieur, mais ah, hein, il doit être pote avec numéro 10. J'ai perdu le lien avec toutes les portes. Je ne peux plus ouvrir pour toi. Il m'a enlevé 5 points de vie. Ok, c'est bon, la survie. Ok. Alors, l'event. L'event sera en mesure de vous amener à la B3. Ah, la ventilation, ok. Ah, mais il est toujours là. J'ai tiré le chemin vers les vêtements. Suis le chemin pour vous échapper. Ok. Les flèches rouges. Ah mais il me suit toujours. Oh la vache. Oh la vache. Vite. Oh. Wouah, c'est quoi cette zone? Ok, on peut le faire. Vite. La vente. Yes. Waouh. Attention, la ventilation a plusieurs sorties. Une seule. Ça mènera aux escape pods. Aux escape pods? Ok, très bien. Aux capsules. Bon! Si vous choisissez la mauvaise, vous ne serez pas en mesure d'atteindre l'évacuation. Super! Génial! Bon. Alors, je suis tout seul à choisir en plus. Bon. Choisissez judicieusement. Bon. Eh ben, c'est parti. Allez, on y va. Laisse-moi choisir. Alors. Ok. Allez, des câbles. Non mais sans déconner, c'est là. Pod 1, pod 2, oui, c'est ça, ok, c'est bon. Ok, on y est, ça va, c'était facile. Oh, stylé. En fait, au final, on a même pas eu le temps de faire la livraison, quoi, hein, c'est... Très bien. Ou alors peut-être que c'était ça. En fait, il y avait d'autres personnes aussi avant nous qui ont fait une livraison, et il y avait justement les œufs. Bah oui, non, ils ont été sur Mars, c'est vrai. Ok. Est-ce qu'on peut voir? Ok, la capsule. Très bien. Bon, là, qu'est-ce que je fais maintenant? Vous êtes parvenu aux gousses d'évacuation. Oh, c'était facile.
Oh, on peut les ouvrir. Erreur. Ah. Le module d'échappement 2 rencontre une erreur. Effectivement, il est rouge. Mais il y a encore le premier. Vous devez prendre l'escape pod A. Merci, là. Mais il n'y a plus de carburant. Ah non, il y a... Non. Bon, je suis tout seul en même temps. Ok. Oh, là, sur la ceinture, le logo. Ok, attention, attention, décollage. Allez, on se casse. Wouah. On tient un sous-marin, le truc. Oh, et ça pète. Ah oui, le système d'autodestruction, c'est vrai. Oh là 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 là. Et dire que c'était mon premier jour en tant que livreur. J'espère que c'est pas tous les lundis sont pas comme ça. Hein. Oh non. Chug, il est parti en mode avec l'alien. Et on se casse. Vers l'infini et au-delà. Oh là là, c'était chaud. Non. Il a pris la navette. L'alien a pris la navette. C'était sûr. C'était sûr. Et ça se finit comme ça. Victoire. Oh, on a eu la bonne fin, good ending. Ah, donc c'est-à-dire qu'il y a une mauvaise fin. Intéressant. Attention, s'il y a une mauvaise fin, comme d'habitude, les amis, je vous la montrerai en même temps. Très bien. Ok, on est de retour. Attention. Bien entendu. Dans le vaisseau. Oh, ah bah non, on est sur Terre. C'est... Voilà, les amis, c'était bien sûr la story. Space. J'espère en tout cas que ça vous a plu, c'était Gagarin YouTube, bien sûr les amis. N'hésitez pas à lâcher votre plus gros like. Ainsi bien sûr vous abonner à la chaîne. En tout cas merci à tous. C'était votre Jumper et je vous dis du coup à très bientôt. Ciao les amis.